Tu comptes toujours quitter Tsushima ? Je n'ai plus rien à faire ici. Ton aide me serait précieuse pour affronter les Mongols. Tu as retrouvé ton oncle, Jin. Tu n'as plus besoin de moi. On n'a jamais trop d'alliés de confiance. Bonne chance avec ton oncle. Jin, je voulais te voir. Nous allons vaincre le Khan et ce lâche de Ryuzo. Leurs têtes orneront les murs de mon château. Mais j'ai besoin de ton aide pour cela. Vous l'aurez. J'ai eu vent de tes exploits pendant mon emprisonnement. Tes méthodes étaient brutales, impulsives, sans honneur. J'ai fait ce qu'il fallait, pour vous. Je sais, Jin. Je t'en serai toujours reconnaissant. Mais tu ne peux pas suivre cette voie. Nous devons donner à Tsushima un exemple à suivre. Ensemble, nous sauverons cette île, comme des samouraïs. Et pour Yuna, elle m'a sauvé la vie et aidé à vous libérer. Tout ce qu'elle demande, c'est le droit de changer d'île. Elle l'aura dès que les eaux seront plus sûres. À condition qu'elle m'aide à reprendre mon château. Merci, mon oncle. Nous partons dans l'heure. Bien, Seigneur Shimura. Je devrais aller voir les autres.
Kai, tu t'es très bien battu hier. Votre arc m'a facilité la tâche, Sensei. Des nouvelles de votre ancien élève? J'ai entendu parler d'une archère japonaise aidant les Mongols à Akashima. C'est forcément Tomoe. Je vais me rendre à un camp de survivants près de la côte. J'en saurai peut-être davantage. Je vous y retrouverai, Sensei. Vous avez ma parole. J'ai quelques nouveautés à vous proposer. Avec ça, vous vaincrez l'envahisseur. Je vous remercie. J'espère que vous ferez bien. Jin. Dame Masako. Du nouveau sur les tueurs de votre famille? Ma traque se poursuit. J'ai remonté la piste de plusieurs noms jusqu'à Toyotama. Je vous aiderai à les trouver. Mais quand viendra l'heure de reprendre le château du seigneur Shimura, pourrais-je compter sur vous? Tu auras mon épée, et ensemble nous éradiquerons nos ennemis. Seigneur Sakai! Les défenses prennent forme? Lentement. Ça ira mieux quand on aura lancé la forge. Bien, continuez comme ça. À votre service, Seigneur Sakai. Ma forge est prête. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Alors, que t'a dit ton oncle?
Alors, que t'a dit ton oncle ? Le seigneur Shimura te permettra de quitter l'île, après que tu nous auras aidé à reprendre son château. Ce n'est pas mon combat, Jin. Yuna, c'est notre combat à tous. Montre ce que tu vaux au seigneur Shimura, et il te récompensera. Je te le promets. Seigneur Sakai, nous partons. Ces samouraïs. Quoi qu'on fasse, ça ne leur suffit jamais. Partons pour Toyotama, Seigneur Sakai. Le pont est détruit, mais les Mongols ne connaissent pas la vieille route forestière. Par ici. Mon oncle, pardonnez-moi de n'avoir pas pu vous libérer plus tôt. Je n'ai rien à te pardonner, Jin. J'ai vu ce que les Mongols infligent à notre peuple. Je n'ose imaginer ce que vous avez subi. Il faudrait bien plus qu'un chef de guerre boursouflé pour me briser. Il a appris notre langue et vous a gardé en vie. Que cherche-t-il ? Il voulait que je lui prête main forte pour conquérir le reste du pays. Il m'a offert fortune, pouvoir et épouse. Il a cru que vous trahiriez votre peuple ? Rien que pour cette insulte, je le tuerai. Parle-moi de la femme qui t'a sauvé la vie. Yuna est courageuse, loyale, et elle sait se battre. Ishikawa dit que c'est une voleuse. Elle se laisse parfois emporter, mais son cœur est bon. Prends garde à qui tu accordes ta confiance. Ryuzo aussi était ton ami. De rudes batailles nous attendent. J'ai besoin d'alliés sur lesquels je peux compter. Vous avez tout mon soutien, et celui de Yuna. Autrefois, le chaos régnait sur notre île. Ce sont les samouraïs qui ont rétabli l'ordre et unifié Tsushima. Nous devons montrer au peuple que les samouraïs se battent toujours pour cette terre. À présent, tu dois rentrer chez toi et prendre possession de l'armure du clan Sakai. Personne ne l'a revêtue depuis la mort de mon père. Tu n'as rien à craindre du passé. Tu sens cette odeur ? Quelqu'un brûle du bois et des corps. Ils ont déjà attaqué des fermes au sud, mais jamais de la sorte. C'est la réponse du Khan à mon évasion. Il est impératif de sauver les fermes de l'île. Sans elles, nous ne passerons pas l'hiver. Comptez sur moi. C'est impossible. Une patrouille mongole devant ! Écrasons-les ! Ça.
Les loups du Khan, envoyés au nord pour décimer les nôtres. Par ici! Les Mongols se sont emparés du phare. Nous rallumerons la flamme pour montrer aux Khan que nous arrivons. Le peuple reprendra espoir. Nous devons nous rendre à chaque phare et rallumer leur feu.
Ça... Yuna, que fait-elle ici? Un groupe de guerriers me suit. Ils sont des explosifs. On pourrait s'en servir contre eux. Prépare ton arc. Qu'ils meurent tous! Tuez-les tous! Je ne vois pas d'autre. Tu es décidé à te battre à nos côtés? Il faut que je quitte cette île. Et Taka aussi. Nous n'en avons pas encore fini. Allons au phare. Nous rallumerons la flamme. Pour montrer aux Mongols que notre victoire à Kaneda n'est qu'un début. Et prévenir le Khan que nous arrivons. Je suis content que tu sois venu, Yuna. Tu as réussi à faire diversion. À votre service, mes seigneurs. Il nous faudrait plus de combattants tels que toi dans nos rangs. Vous risquez d'avoir du mal à en trouver, à moins d'élargir vos horizons. Nous avons affaire dans le phare. Exprime-toi et laisse-nous tranquilles. Yarikawa est riche en guerriers, si ses murs ne sont pas tombés. J'ai réprimé la révolte de Yarikawa. Ces gens ne m'apprécient pas. Je sais. J'ai grandi là-bas. Est-ce là que tu as appris à voler? Yuna vous admire grandement, Seigneur Shimura. Elle peut convaincre les siens de se battre pour vous. Très bien. Aide le Seigneur Sakai à lever cette armée. Et tu pourras quitter cette île par le premier bateau. Avec mon frère. Attends-moi dans le vieux Yarikawa. Merci, Jin. Il est temps de faire passer le message.
J'espère que le Khan le verra. N'aie crainte. Nous reprendrons votre château, mon oncle. Et nous détruirons les Mongols. À la façon des samouraïs. Rentre chez toi et prends l'armure de ton père. Recrute les paysans de Yarikawa. J'irai négocier des renforts auprès du shogun. Comment contacterez-vous la grande île ? J'ai moi aussi de mauvaises fréquentations. Dans la crique d'Umugi, un pirate du nom de Goro m'est redevable. S'il est encore en vie, je le trouverai. Amène-le à notre ancien camp de chasse. Nous nous reverrons bientôt. D'ici là, sois très prudent. Je ne veux pas te perdre encore. Monseigneur, nous avons délivré un prisonnier des Mongols. Un moine guerrier. Il souhaiterait vous parler. Un moine guerrier ? J'irai le voir. Seigneur Sakai, vous et vos compagnons avez toute ma gratitude. Quel temple sers-tu ? Le temple Sugi. Nous sommes partis combattre les Mongols au sud quand nous avons eu vent de la bataille de Komoda. Mais notre voyage a pris fin ici. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé ? Nous avons été attaqués, puis faits prisonniers. On nous a jetés dans une fosse couverte, sans nourriture. Il faisait si sombre que je ne distinguais pas mes propres mains. Ils ont sorti Jogon en premier. Nous l'avons entendu se débattre, crier. Puis les cris sont devenus des hurlements. Une odeur, ensuite, de brûlé. Mais nous avons tenu bon. Nous n'étions plus que trois quand ils ont emmené mon frère. Enjo. Enjo. Le gardien ? Désolé d'apprendre sa mort. C'était un grand guerrier. Et un frère encore meilleur. Comment t'appelles-tu ? Norio, monseigneur. C'est là qu'ils nous enfermaient. Six hommes tiendraient à peine dans ce trou. Et pourtant, nous étions le double. Marchons un peu, Norio. J'ai quelque chose à te montrer. Tu es passé par Toyotama. Comment était-ce ? Le temple de Kushi et les guérisseurs d'Akashima ont été épargnés. Il paraît que le repère de pirates de la crique d'Umugi résiste. Arrêtons-nous. Les envahisseurs doivent être des milliers. Maintenant que le seigneur Shimura est libre, il va nous mener à la victoire. Tu te joindras à nous, j'espère. Vous pourrez compter sur les moines du temple Sugi. Ils sont à une journée de cheval. Aidez-les, et ensemble nous renverrons les Mongols à la mer. Nous vengerons ton frère, Norio. Tous les moines qui ont péri ici. Je ne souhaite pas me venger, mais je vais me battre pour la paix.
J'irai au village d'Akashima pour aider les guérisseurs. Pour riposter, nous aurons besoin d'eux. Je peux vous présenter Ochi ? Mon frère disait qu'il était le meilleur des guérisseurs. Dans ce cas, nous nous reverrons à Akashima.